Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. En tout cas, c'est tout. Abonnez-vous pour cliquer là sur la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos également. Et si vous voulez nous soutenir, toutes les informations, c'est tout dans la partie description. Et comme promis, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo extraordinaire où nous allons tout simplement vous parler de cette histoire, de cette femme-là même qui est persécutée ou encore qui est attaquée mystiquement. Ah, dans son lieu de travail, c'est la partie 2. La partie 1, c'est tout Nyang's Reborn. Nous avons tout simplement été interrompus à cause de beaucoup de soucis. Vous pouvez regarder la vidéo pour en savoir plus. Maintenant, mes frères et sœurs, dites-nous. Est-ce que vous avez déjà rencontré de tels problèmes? Des problèmes dans le lieu de travail où on vous attaque mystiquement? En fait, ce sont des trucs vraiment trop réels de chez réels. Réel, hein? Et ça là, c'est l'histoire que nous venons de vous raconter là. C'est l'histoire de quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je connais qui travaille à la présidence. C'est-à-dire, il y a quelques années, cette personne travaille à la présidence. Je ne sais pas si elle travaille toujours là-bas. Mais, ce qu'elle a vu là-bas, qu'elle nous a raconté là, c'est ce que nous avons transformé en vidéo pour vous les raconter, pour vous dire franchement, mes frères et sœurs. Il y a problème. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, nous allons reprendre encore l'histoire pour vous. Soyez prêts. C'est l'histoire d'une jeune sœur qu'on vous aime, qui est allée au travail, qui a eu un bon poste, un poste à la présidence. Et quand elle est arrivée là-bas, là, puisqu'elle est compétente, elle travaille bien, elle fait son travail, elle va être aimée par son patron. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? C'est normal, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez que dans un endroit, quand vous travaillez avec beaucoup de personnes et que c'est vous, on aime beaucoup là, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir frustrées. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oh, il y a problème. Vous voyez un peu les gens des personnes qui se trouvent un peu autour de nous là. C'est le diable qui fait ça selon vous. C'est le diable qui fait ça. Le diable qui suscite des ennemis autour de nous. Et cette femme-là, le diable a suscité beaucoup d'ennemis autour d'elle. Et ces ennemis-là, ce seront ses collègues de travail. Le premier jour, c'est une femme. Elle est venue vers elle comme ça. Toi, pourquoi tu viens au travail si tu ne me salues pas? Pourquoi tu viens au travail si tu ne cherches même pas à me saluer? Quand tu viens, mais tu me dépasses comme ça, comme si on n'en parlait. Hein? Elle dit, ah, ma soeur, quand je viens ici, là, je te salue, je salue tout le monde. Comment tu peux me dire que je ne salue pas? Elle dit, mais tu ne salues pas. Elle dit, oh, bon, excuse-moi, comme tu dis que je ne te salue pas là, peut-être que tu n'as pas bien entendu quand il te salue. Prochainement, je vais insister. La prochaine fois, deuxième palabre est venue. Elle est venue encore. Voici un parfum. Elle dit, voici un parfum. J'ai envoyé un parfum ici, là. Tout le monde achète mon parfum. Pourquoi toi, tu n'achètes pas mon parfum? Pourquoi toi, tu ne veux pas acheter mon parfum? Elle dit, hey, franchement, est-ce que tu m'as présenté ton parfum? Elle dit, mais tout le monde au courant. Quand vous voyez la situation là, là où il ne faut pas dire, là où il ne faut même pas parler là, c'est là même elle parle. C'est-à-dire, vous allez la voir, hein, elle va chercher toujours à créer des combats. Elle va toujours chercher à créer des histoires rien que pour vous accuser. Elle va vous chercher des histoires. Vous allez voir au travail, là, c'est vous seulement vous cherchez des ennuis. Quand vous analysez le problème, là, vous voyez que vous avez raison. Il n'y a pas de problème.
Vous ne savez pas d'où ça vient, mais quand le diable est là, c'est comme ça se passe. Ça tourne toujours dans ce genre d'histoire. Et voici que cette histoire-là va aller loin. Ça va aller même très loin. Comment ça va se passer? Un jour, cette femme-là, elle va arriver dessus son lieu de travail. Elle lève la tête vers son plafond. Qu'est-ce qu'elle va voir là-bas? Elle va voir du sang. Qui a mis du sang ici? On ne comprend pas. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et en dessous de son bureau là, elle va voir un pigeon mort en dessous, un oiseau. Quoi? Mais qui l'a déposé ici? Là, elle a compris que il faut aller voir les hommes de Dieu. Il faut rentrer fort vite en contact avec des hommes de Dieu pour essayer de résoudre le problème. Parce que là, le combat qui était physique là est devenu spirituel. C'est attaque mystique. Mes frères et sœurs, si vous rencontrez de tels problèmes, ne vous fatiguez pas. Si dans le lieu de travail, même à la maison, vous persécutez comme ça, c'est que votre étoile, ça brille, vous les dérangez. Et ce sont des sorciers maintenant qui commencent à vous attaquer. Dès que vous rencontrez un tel cas, rentrez en prière. Dieu va commencer à les dévoiler. Et ils vont venir physiquement, vous allez les voir. Si quand le combat commence physiquement, spirituellement, que ça échoue, les sorciers auront tendance à venir physiquement pour vous attaquer. Au travers d'un jus, même vous provoquer. Vous allez les voir, ils vont même s'approcher de vous pour vous demander, mais toi là-même là, ton parfum là, tu achètes ça où? Mais quel est le problème entre mon parfum et le travail? Est-ce que sur le lieu de travail, on est venu pour faire du commerce? Qu'est-ce que tu cherches ici? Mes frères et sœurs, ne bavardez pas, ne bavardez plus beaucoup de cette histoire. Mettez-vous en prière, Dieu va vous aider. Dieu lui-même va vous aider, mes frères et sœurs. Voici le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorera. Si votre étoile brille, ne soyez pas étonnés que les sorciers vous entourent. Que les sorciers même, ils rôdent comme ça autour de vous. Et ils cherchent les voies et moyens pour vous faire chuter. Tout l'intérêt du diable et ses démons, c'est de vous emmener à l'enfer, de vous faire retirer, d'enlever la gloire de Dieu sur vous et de vous écarter de Dieu. Ils veulent vous pousser dans la colère. Ne vous laissez pas emporter. Rentrez en prière seulement et Dieu lui-même interviendra en votre faveur. Soyez prêts pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur Nuance Reborn 1, Nuance Reborn 2, Nuance Reborn 3, toutes les chaînes Nuance Reborn. Sur la page d'accueil même, vous pouvez vous abonner sur toutes ces chaînes et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va apparaître tout à l'heure sur Nuance Reborn 3. Sur Nuance Reborn 3, notre autre chaîne YouTube, nous avons parlé des témoignages d'un ex-sataniste. Et ce témoignage de cet ex-sataniste révèle qu'il y a des choses graves dans ce monde. Voici que cet ex-sataniste va se rendre dans la maison de sa soeur ou de sa cousine, un de ses parents. Et l'esprit, encore le démon qui l'accompagne là, va tuer un enfant. Et cet enfant que ce démon là va tuer là, va revenir. Cet enfant là va revenir. C'est-à-dire qu'il va voir encore l'esprit de l'enfant là à quatre pattes qui va maintenant, qui fonce maintenant vers lui. Et ça va pas bien se passer. Allez jeter un coup dessus cette vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo sera postée quelques heures plus tard. C'est-à-dire aux environs de 19h-20h. Ça sera posté sur Nuance Reborn 3. Donc préparez-vous à recevoir cette nouvelle vidéo très puissante. Un témoignage encore plus puissant. Et souvenez-vous. Aujourd'hui, nous venons de poster tout à l'heure un témoignage très puissant sur quoi? Sur Nuance Reborn. Regardez cette vidéo. Dans ce témoignage, la chose qui m'a marqué là, c'est ce qui fait même l'objet de ce titre, c'est-à-dire le titre qui a été choisi. Un sataniste, quelqu'un qui a tué, qui a donné l'âme de 5 millions de personnes à Satan, va se retrouver à l'enfer torturé par le diable. Et c'est ça même sa récompense. Allez regarder cette vidéo. La vidéo est la témoignage précédent. Jetez un coup d'œil et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Tous ceux qui veulent nous soutenir, notre travail de don, pour faire avancer le travail, que Dieu vous bénisse.
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est Nyans Reborn 1. Que Dieu vous garde. Que vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Nyans Reborn. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu lui-même vous garde. Et qu'il vous bénisse. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant. Incroyable. Mais vrai. Waouh.